Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 28 août, bientôt la rentrée pour certains. Un petit vide-grenier aujourd'hui, j'en ai fait deux. Il y en a eu un en Dansette et un à Beaurepaire. À l'origine, il devait y en avoir deux à Beaurepaire, mais il a été annulé pour manque de participants. Chose qui arrive. Alors, ça a peut-être permis au deuxième vide-grenier de Beaurepaire d'avoir un petit peu plus de monde. Bon, en tout cas, place aux images, place au générique, et on se retrouve tout de suite après pour voir si on trouve encore des choses intéressantes en vide-grenier. Allez, c'est parti! On met au milieu, Jean-Claude, que sans... Tu veux pas des... Comment c'est les cocottes là? 30 euros. Ah, ça n'a pas changé, vous avez démontré. Ah non. Ah, t'as pas un ordre. D'accord, merci. C'est vous qui vendez, non? Non, 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 pas du tout. C'est le jeune homme qui est juste à côté, là. Bonjour. Quel est le prix de la meuleuse? Elle est à 40, la meuleuse. 40? Oui, attention. C'est bon, est-ce qu'il y a une
terre est basse. Bon, j'ai pas encore regardé les images que j'ai tournées. En tout cas, il y a quand même deux salles d'ambiance, que ce soit du côté Andancette et du côté Bourg-Père. On va dire que côté Andancette, c'est quand même un petit peu plus marché. Alors, le fait que ce soit dans une usine, enfin à côté d'une usine qui soit désinfectée, ça aide peut-être un petit peu à ça. Et à Bourg-Père, c'était réellement quasiment chez les gens. Donc il y avait quand même un petit peu moins de bruit, c'était un petit peu plus calme. Bon, je sais pas si on le verra dans les images, parce que j'ai pas encore regardé les images que j'ai tournées. Il y avait deux, trois petites choses intéressantes. C'est vrai que nous, on est arrivé sur Andancette, c'était un petit peu plus de 6h15, 6h20. Les personnes commençaient tout juste à déballer. C'est un vide-grenier qui commence à partir de 6h. Et bon, c'était un petit peu timide ce matin. Il y avait deux, trois petites choses intéressantes, mais voilà, par exemple, il y avait une Game Boy Advance. Quand j'ai regardé, elle était déjà dans un état lamentable. Pas de cache-pile, il y avait une pile à l'intérieur qui avait déjà pas mal fondu. Voilà, la personne vendait ça à 20 euros, ben même pour 20 euros, tu la gardes. C'est dégueulasse. Au pire, enlève la pile, déjà essaie d'y nettoyer un tout petit peu. Et il y avait aussi une personne, je crois que celle-là, je l'ai filmée, qui vendait une Game Boy Pocket, mais voilà, qui vendait ça trop cher, 50 euros pour une Game Boy. Alors c'est peut-être les prix qui se font, mais moi je trouve ça trop cher. Bon, je suis quand même pas rentré les mains vides dans 7. J'ai pu trouver quelques jeux. Alors, principalement que du PS2. En tout cas, sur Andan 7, c'est que du PS2. Voilà, j'ai récupéré deux jeux. Donc là, les prix étaient indiqués. Il y avait d'autres jeux. Alors, ça, par contre, je crois que je ne l'ai pas filmé. Parce que j'avais fait déjà un premier tour. Et c'est là où j'ai récupéré les jeux. J'ai refait un deuxième tour après avec la caméra. Donc, j'ai récupéré le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Qui a été écrit à 5 euros, qui est complet. Alors par contre, pour une fois, les jeux sont quand même en bon état. Et Shrek, le troisième, qui était inscrit à 2 euros. Donc j'ai eu ces deux jeux-là pour 5 euros. Voilà, j'ai négocié un petit peu, 5 euros les deux, ça lui a convenu. Enfin, je ne vais pas dire qu'elle tirait un petit peu la gueule, mais elle m'avait dit « si vous en prenez plusieurs, c'est négociable ». Bon, ben, si j'en prends deux, c'est négociable aussi. Donc voilà, c'est deux jeux pour 5 euros. Et ensuite, je suis tombé sur un autre stand. Du coup, j'ai eu ces jeux, alors, j'ai eu le lot pour 10 euros. Il y a 4 jeux, ça fait un petit peu cher pour 4 jeux, ça fait 2,50€ le jeu. Mais bon, c'est des jeux que je ne possédais pas et que je ne vois pas tout le temps. Donc il y a le Matrix. Donc, par contre, la boîte, le CD tient plus trop dans la boîte. Bon, celui-là, je suis content de le rentrer parce que je ne le possédais pas non plus. Enfin, normalement, il n'y en a aucun que je possède. Hein. J'avais quand même vérifié avant. C'est les Tortues Ninja.
le FIFA Street. Bon, ça, je l'ai vraiment pris parce que je ne l'avais pas. C'était histoire de pouvoir faire un lot et de réduire un petit peu le prix. Et le Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est en version Platinum. Donc voilà, c'est 4 jeux pour 10 euros. Alors, c'est pas donné, mais je les avais pas, donc du coup, ça rentre dans la collection, et ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, bah, je suis parti de Andan 7 avec ces 6 jeux, pour un total de 15 euros. On est parti donc de Andan 7, ouais, c'était à peu près 7h30. J'avais une demi-heure de route pour retourner sur Beaurepaire, et en sachant qu'à Beaurepaire, le vide-grenier ouvrait aux exposants, c'était 7h30, et aux personnes qui viennent regarder, aux acheteurs, sur le coup de 8h. Donc ça me laissait le temps, et ça me permettait de ne pas arriver trop tôt, et de voir un petit peu les personnes qui... Enfin, les personnes déjà avec des affaires déballées. Du coup, on peut voir là sur la vidéo, il y a un petit jeune qui vendait des jeux, donc qui marquait, c'était 3 euros le jeu, 5 euros si on en prenait 2. Du coup, j'en ai pris 5. Il m'avait dit en même temps qu'il faisait un prix si j'en prenais plusieurs. Du coup, il m'a fait les 5 pour 10 euros. Donc, ça fait un jeu, on va dire un jeu gratuit. Dans ce lot, il y a le Astérix Obélix XXL 2. Ah, jeu que je ne possédais pas non plus. Le Astérix aux Jeux Olympiques. On a Agent Hugo Robo Rumble. On a The Thing. Celui-là, je ne le connais pas. Ça va être un petit jeu de survie. Tout à fait. Et on a le Ferrari F355 Challenge. Voilà, donc à ce petit jeune, je lui ai pris ces 5 jeux pour 10 euros. Et j'ai continué à faire mon tour. Et il y avait une personne qui vendait des jeux. Enfin, on voit un petit peu fouiller sur son stand. Du coup, j'ai eu le lot pour... Enfin, j'ai eu ces 2 jeux pour 4 euros, en sachant que j'en avais déjà, mais j'avais pas la boîte, j'avais que le CD. Donc là, du coup, je le rentre en complet. C'est le Yu-Gi-Oh! Alors, c'est le Forbidden Memories. Qui, pour le coup, celui-ci est complet. Et le Max Payne 3. Alors, la boîte, elle est légèrement abîmée. Alors, on voit qu'il y a un petit accroc là. C'est pas trop gênant. Je sais même pas si à la caméra on va la voir. Enfin, je vous le dis, vous pouvez me croire sur parole. Donc, oui, on trouve encore des choses, pas spécialement des choses comme on pouvait trouver il y a quelques années de ça en arrière avec des gros packs. Il faut savoir que la personne à qui j'ai acheté en dans 7, ces 4 jeux, enfin, c'est pas ceux-là. Ce sont ceux-là. Juste avant, il y a une personne, juste avant moi, qui a pris un lot. Il y avait, je crois qu'il y avait 6 ou 7 jeux de PS1. Les jeux avaient l'air d'être en bon état. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait, mais en tout cas, il a eu le lot à 10 euros. Donc, il y a encore des affaires à faire, mais faut tomber réellement au bon moment. Alors, un coup, c'est trop tôt, un coup, c'est trop tard. Il faut avoir un petit peu de la chance. Mais bon. Quand on se lève, généralement, ça paye. Voilà, moi, je suis content, même si ce n'est pas des grands titres. Ça me permet de pouvoir compléter la collection. Et juste pour ça, je suis content de m'être levé à 5 heures pour pouvoir y aller et pour pouvoir au moins aussi profiter d'une petite matinée, d'être bien tranquille
et de pouvoir vous faire cette vidéo. Voilà, en tout cas, cette vidéo sortira dans la semaine, parce que c'est quasiment 5h15. Le temps que je fasse le montage et tout ça, elle sortira certainement pas aujourd'hui. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine à tous. Amusez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. L'espace des commentaires est là également. Et moi je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Allez, à plus !